Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de la chaîne Business Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement. On va parler d'argent. Concrètement, de 5 stratégies prouvées pour gagner plus d'argent en ligne de la maison grâce au site Fiverr. Alors, un sujet que je pense qui est vraiment d'actualité parce que on est au sorti d'une crise sanitaire, d'une pandémie qui a affecté beaucoup de personnes, des centaines de millions de personnes financièrement. Et on est à l'aube d'une récession. Une récession financière qui affectera encore plus de personnes. Donc, il est très important dès à présent de commencer à se penser, comment à se positionner, à acquérir les compétences, les stratégies, les outils nécessaires pour faire face à la récession qui arrive. Je pense qu'on vient à une ère où il est irresponsable d'avoir une source de revenus parce que quand on a une source de revenus, on est clairement en train de mettre l'avenir de sa famille, des gens qu'on aime sur un seul pilier. Et ça peut, avec tout ce qui se passe financièrement, économiquement, dans d'autres environnements, avoir un impact très négatif si on se contente d'une seule source de revenus. Dans cette vidéo, je parlais de 5 stratégies, 5 astuces que tu peux déployer indépendamment de ton niveau de compétence, de l'endroit où tu résides, de ton niveau intellectuel, voilà, pour avoir des revenus récurrents de la maison dès ce soir. Littéralement, tu peux commencer à te lancer, avoir déjà les premières personnes qui te contactent éventuellement d'ici la fin de la semaine. Donc, ça va dépendre ici, encore une fois, je parle toujours des cycles au travail, bien évidemment, ta capacité à implémenter rapidement les stratégies partagées dans les vidéos. Mais dans la vidéo, tu auras justement des points focaux et une belle ligne d'action pour apprendre, pour avoir des résultats aussitôt que faire se peut grâce à chacune de ces activités. Si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je suis Jolie Dématio, je suis la fondatrice de différentes entreprises et investisseurs. Et sur la chaîne Business Entrepreneuriat, je commence à parler très vite, même dans la vraie vie. Mais je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à devenir un meilleur entrepreneur, à générer plus de revenus de la maison, tout simplement à te licencier éventuellement si tu travailles encore pour devenir un entrepreneur. Fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Pour moi, c'est ça la vraie définition de la liberté financière. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner. Il y a plein d'épisodes comme ceci chaque semaine sur la chaîne. J'ai tendance à parler vite, comme je l'ai dit en temps, je fais un effort de ralenti des fois. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet, 5 astuces pour gagner de l'argent de la maison jusqu'à 250 euros. Au plus par jour, en fonction de l'activité que tu vas décider d'offrir. Le premier service qu'on va offrir ici va consister à l'écriture des blogs. Alors, la création de contenu, c'est vraiment l'une des choses les plus en demande aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont un site internet ont besoin du contenu qui est écrit sur le site de façon récurrente. Donc, elles ont besoin pour la personne qui va écrire, les états écrits du contenu en ligne. C'est justement une activité qui est très, mais alors très bien payée. Tu vois aussi des personnes qui facturent 30 euros pour un blog et même plus, 80 euros pour un blog créé, c'est vraiment quelque chose de très rentable si tu sais comment t'y prendre. Et je te montre, donc une fois ici que tu as créé ton compte du Fiverr forcément, mais que tu as créé ton listing qui va ici offrir un service en particulier, comme ici la création de blog par exemple, tu veux regarder ce que les personnes qui facturent le plus, comment est-ce que leur profil est designé. C'est vraiment une des astuces pour améliorer ton profil du Fiverr. Si tu as quelqu'un qui a du mal jusqu'ici à avoir des clients, regarde ce que les gens qui ont pas mal de clients, par exemple cette personne, cette demoiselle en question a eu 154 commandes pour sa boutique. Ça veut dire que son positionnement et son message, en fait, est attrayant. Donc, tu veux regarder comment elle optimise son profil pour étant inspiré pour créer le tien également. Donc, ici, tu vois, par exemple, elle facture 80 euros pour 500 mots de blog. Ça, c'est la version la plus petite qu'elle offre. Là, on a 140 euros pour le premium, mais on a jusque 200 euros pour 1500 mots. Alors, c'est vraiment quelque chose, parce qu'un blog, tu peux l'écrire littéralement en une heure, entre 20 et 60 minutes, si tu sais comment t'y prendre. Dans l'un des outils que tu peux utiliser ici pour maximiser ta productivité lorsque tu crées des blogs pour des clients ou pour ta personne, même ici, si on va créer des blogs pour les vendre à des clients qui sont intéressés par l'activité en question, on va venir sur un site web comme copy.ai. C'est un site complètement gratuit que tu peux utiliser pour créer ton blog et même le structurer de façon à ce qu'il rank sur Google de façon assez intéressante. Donc ici, sur Copy.ai, une fois que tu fais le login, une fois que tu crées ton compte gratuitement, sur la barre à l'extrême gauche, tu vas scroller, tu vas voir ici « Outils de blog ». Et donc, par exemple, tu as différents outils de blog que le site te propose. Tu as, par exemple, des blogs. Tu peux trouver des idées de blog. Tu peux écrire un aperçu de blog. Tu peux trouver des titres de blog. Tu peux littéralement créer le blog même. Conclusion de blog, introduction de blog. Bref, tu peux vraiment utiliser cette section pour créer ton contenu de blog. Et encore ici, tu vas te retrouver en train de vu que c'est complètement automatisé. Si, par exemple, je viens ici et j'écris, je clique aperçu de blog pour vraiment avoir un résumé de ce dont le blog va parler. Et je skip. Et ça, par exemple, je veux un blog qui parle de cheveux naturels, d'accord? Donc ici, encore une fois, tu peux changer de texte, de langue. Hein. Si tu veux écrire en anglais, en français, en italien, tu peux changer dans les settings ici, au-dessus. Donc dans ce cas de figure, je vais écrire tout simplement cheveux afro. Je vais prendre soin du cheveux afro. D'accord, astuce pour garder
tes cheveux sains et forts. Naturellement. Alors, rapidement, avoir, tu peux choisir quel est le ton de ton blog et tu vas cliquer ici sur créer ton message. Et tu vas voir en quelques minutes, la machine, l'intelligence artificielle va te générer justement un résumé de blog que tu pourrais utiliser pour déjà commencer à écrire ton blog. Voilà, donc voici par exemple les différentes sections de ton blog. Et tu peux justement juste t'en inspirer pour créer, pour développer plus de sections. Et ça, les cas des soucis profonds, hydrater vos cheveux, limiter l'utilisation, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui va te permettre de limiter, de gagner tellement en temps. Là, par exemple, tu as des sections de blog. Une fois que tu as des sections de blog, tu peux justement venir encore ici sur website copy. Et trouver si peut-être la landing page Hérotexte ou tout simplement, il y a vraiment pas mal de outils que tu peux utiliser pour écrire plus rapidement tes textes. Donc voici, c'est la première activité que tu peux faire sur Fiverr pour générer des revenus de la maison sans beaucoup travailler. Donc ici, on parle vraiment en une heure, tu peux avoir ici un blog qui est écrit, tu pourras facturer entre 30, 40, 80, même 200 euros en fonction de ton niveau de confiance en toi et surtout de l'expérience que tu as. La deuxième activité que tu peux avec Fiverr pour gagner de l'argent rapidement de la maison, ça va consister à offrir des social media templates. On a une ère où on a l'aide du digital, ça veut dire que toute personne qui a un business en ligne, qui est présente en ligne, a besoin d'avoir un contenu sur sa page Instagram ou Facebook de façon récurrente. Et l'une des choses que beaucoup de créateurs font face, c'est ce qu'on appelle la barrière, le blank space. On ne sait pas comment créer, on en manque d'inspiration et autres. Donc ici, tu vas offrir un service qui va consister à créer des templates pour les différents réseaux sociaux des personnes. Si tu as quelqu'un là qui est bien créatif, t'aimes bien dessiner, t'aimes les couleurs et autres, c'est vraiment parfait pour toi parce que si tu vas créer des templates que tu pourras vendre à différentes personnes, que tu pourras offrir à différents clients. La beauté de ce business, de cette activité, c'est que tu peux créer ton template une seule fois et la vendre à des personnes encore, à différentes personnes. Tu peux changer les couleurs et ainsi de suite. Et tu peux voir ici que des gens vendent leur template pour 100 euros, 25 euros ici. 20. Donc, c'est vraiment 30 euros par là. C'est relativement facile à faire. Tu vois, par exemple, le cas de cette personne qui a son profil. Elle vend ses templates. Elle vend un template pour 100 dollars. Tu vois. Donc, et en plus, son truc, c'est son template que tu peux encore utiliser par la suite. Et c'est vraiment, donc, c'est littéralement un post qu'elle te fait à 100 dollars. Tu vois. À 100 euros, pardon. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est quelque chose de lucratif ici. Tu as trois posts pour 200 euros. Et finalement, ici, tu as... Et finalement, ici, tu as 5 posts pour 300 euros. Et si tu scrolles, en fait, sur le profil qui est là, tu vois que c'est du graphisme. Donc ici, encore une fois, si tu veux créer ce genre de template pour les réseaux sociaux, tu peux aller tout simplement sur un site comme Vista Create. C'est un excellent site pour créer des... qui t'offre même déjà des templates gratuits que tu peux utiliser pour différentes occasions. Par exemple, si tu veux des stories sur Instagram, tu as ce genre de template que tu peux prendre ici, changer des couleurs et vendre à tes clients sur Fiverr. Si tu veux, par exemple, des posts sur Instagram, tu as des templates pour ces différents posts-là. Si tu veux des publications sur Facebook, des vidéos, même des couvertures de vidéos, par exemple, sur YouTube et autres, tu peux vraiment ici rapidement créer, utiliser les templates qu'ils ont déjà faits, les modifier un tout petit peu rapidement et les offrir ainsi à tes clients. C'est très facile à faire. C'est vraiment, tout est déjà designé pour toi, comme tu vas te rendre compte ici, et tu n'auras plus qu'à les vendre en package. Donc, tu vas envoyer encore une fois, aussi bien Vista Create est gratuit, Fiverr est gratuit, donc il te reste juste à passer à l'action. Tu peux également utiliser Canva pour créer des templates assez facilement pour différents réseaux sociaux. C'est très facile à faire. Canva, c'est un outil absolument gratuit. Il y a une version gratuite, mais si tu débutes à peine, mais tu peux déjà te lancer ici pour créer également des templates aussi bien réseaux sociaux, YouTube, vidéo YouTube et bien d'autres encore. Comme tu pourras voir ici dans Canva, tu as différents sections, social media, vidéo, présentation, marketing, office, c'est vraiment le choix et tiens. Le troisième business ou la troisième activité que tu peux offrir sur Fiverr va consister ici à créer des logos. Encore une fois, il y a pas mal de personnes qui lancent leur business de jour en jour et qui ont besoin d'avoir cette identité visuelle là qui est créée. Et tu vois ici justement les aider à créer leur logo. C'est une activité qui est assez simple, rapide également à faire, que tu peux lancer comme ça et te voir générer des revenus importants, du moins avoir des revenus assez intéressants si tu le fais de façon récurrente. Tu vois les personnes ici qui facturent 60 euros pour leur logo, 35 euros, 40 euros, donc. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si les gens sont prêts à payer, là, par exemple, ce vendeur a près de 1000 revues positives et il facture son prix minimal, c'est 45 euros pour son logo.
Donc, ça veut dire qu'il a gagné en moyenne 4 500 euros. Non, 45 000, pardon. Il a gagné en moyenne 45 000 dollars comme logo designer chez Fiverr. Ce qui est assez intéressant selon moi. Donc ici, pour créer des logos comme ceci, tu peux aller, il y a des options. Tu peux déjà aller sur Fiverr, sur Canva, comme on a vu tantôt. Et dans Canva, tu tapes tout simplement dans la barre de recherche logo. Et tu auras différents templates de logos que Canva te donnera, que tu pourras personnaliser en fonction de ce que le client désire. Mais si tu as déjà quand même un bon début, voilà, en termes de créativité autre, et tu as des logos qui sont quand même assez intéressants, que tu peux déjà éditer, modifier pour vraiment plaire à ton client. Donc Canva, c'est vraiment la première ressource pour la création de logo. Et tu peux justement choisir quel type de logo tu veux. Est-ce que tu veux un logo minimaliste? Est-ce que tu veux un logo moderne, simple, élégant, minimal? Le choix est vraiment tien. Est-ce que c'est un logo pour le business, la beauté, l'illustration, l'entreprise, la fashion et autres? Bref, tu peux vraiment personnaliser comme bon te semble. Le second site que tu peux utiliser pour créer des logos rapidement, gratuitement également, c'est freelogodesign.org. Ici, tu vas tout simplement taper le nom de l'entreprise pour laquelle tu veux créer le logo. Si je t'apprécie par exemple, c'est l'entrepreneuriat. Imaginons que je veux créer un logo pour cette chaîne et voyons ce qu'ils vont me suggérer. Et tu cliques sur commencer, tu n'as même pas besoin d'enregistrer. Tu vas cliquer sur créer mon logo. Et ils vont te donner différentes suggestions d'images, de logos et d'images qui veulent accompagner le logo. Ça prend quelques minutes pour télécharger là. Tu as justement, tu as différentes suggestions qu'il t'offre, que tu peux forcément modifier, personnaliser, changer les images comme ça, et afin qu'elles représentent vraiment ta marque. Mais c'est encore ici un bon début pour des personnes qui veulent se lancer dans cette activité, mais qui n'ont pas forcément la créativité et autres. Là, c'est vraiment un bon début pour offrir déjà au client quelque chose de concret, en attendant que tu crées justement, en que tu. Justement que tu ne travailles sur tes compétences de créateur de logo. La quatrième activité, voilà, qu'on peut faire comme ça en ligne pour générer des revenus de la maison va consister à faire de la transcription. Alors, encore une fois ici, la transcription, ça va consister tout simplement à réécrire à transformer un message audio en message écrit, par exemple. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des livres qu'ils veulent écrire. Ils ont des vidéos YouTube qu'ils veulent transformer en blog. Ils ont des podcasts qu'ils veulent transformer en articles pour leurs réseaux sociaux. Il y a vraiment, on a à l'ère où la création de contenu fait fureur et beaucoup d'entrepreneurs, ma personne incluse, recherche des compétences telles que celles-ci pour justement les aider à créer, à augmenter en productivité, toucher un marché plus grand. Donc, il y a pas mal justement de youtubeurs avec qui je parlais qui me disaient, qui m'aident à transcrire mon audio, mes vidéos justement en blog afin de toucher une audience plus importante. Et c'est assez facile d'offrir ce service-là parce que tu vas tout simplement ici, veuillez, je vais encore une fois, tu tapes transcription audio et tu peux aussi encore avoir un aperçu de combien les gens se font payer pour le service en question. Et moi, je dis toujours, si les gens se font payer pour un service en question, ça veut dire que c'est un service qui en demande. Et ça veut dire que si tu crées le même service que ces personnes-là, tu pourrais également te faire payer des sommes assez intéressantes sur le marché. Donc ici, je vois vraiment, il y a des personnes qui se font payer 10 euros, 30 euros pour le service. Donc, un outil que tu veux utiliser ici pour. Et je sais qu'une question que je reçois très souvent quand je fais des vidéos, c'est est-ce que ça marche en Afrique? Est-ce que ça marche dans différents pays et autres? Et la réponse est toujours la même. La réponse est oui, ça marche du tonnerre, indépendamment de l'endroit où tu résides, à travers le monde, parce que Fiverr, c'est une plateforme qui est ouverte à travers le monde. Il y a pas mal de personnes avec qui j'ai travaillé par le passé, que j'ai trouvé sur Fiverr, donc je sais que ça marche très, très, très bien si tu es persistant, si tu as une belle stratégie d'optimisation. Et donc, si tu veux une vidéo dans laquelle je parle de stratégie d'optimisation, laisse-moi un commentaire en description et je me ferai un plaisir de la faire prochainement dans laquelle je te montre exactement comment créer un compte de Fiverr et comment l'optimiser afin d'attirer vers toi un maximum de clients pour ton service ou ton produit. Voilà. Donc, ici, une fois qu'on a vu si offrir des services de transcription t'intéresse, tu veux utiliser des services tels que Rev.com. Rev.com, c'est un service de transcription automatisé, donc c'est l'intelligence artificielle qui va te traduire ou qui va te transcrire le message en anglais ou en français. Tu peux utiliser soit la transcription, soit même les sous-titres. Tu veux quelqu'un qui veut les sous-titres ou tout simplement ajouter des légendes sur une vidéo. Donc, par exemple, tu te fais ici payer 15 euros ou 30 euros pour la vidéo que tu veux éditer, que tu viens sur rev.com et que tu la fais transcrire à 1,5 euros la minute. Tu te rends compte, 1,5 euros la minute. Pratiquement 1 euro la minute, tu te rends compte que tu peux justement avoir une belle marge bénéficiaire ici sans avoir travaillé, sans avoir fait aucun travail parce que ce site en fait va transcrire la vidéo automatiquement. Donc il y a rien à, tu n'auras absolument rien à faire. Ça convertit la vidéo ou l'audio en texte avec 99% de précision sans que tu n'aies rien à faire. C'est vraiment magnifique.
je l'ai utilisé par le passé et je le recommande fortement. Maintenant, si tu as quelqu'un qui ne veut absolument payer, tu ne veux pas payer, tu te dis, OK, je veux vraiment la version gratuite de ce logiciel, je te conseille d'utiliser Otter.ai, que tu peux encore ici utiliser pour transcrire des versions des fichiers audio ou vidéo et justement les transcrire, avoir le message texte. C'est assez facile à faire, c'est absolument gratuit et c'est très, très rapide également. Donc, voici encore un ou deux outils que tu peux utiliser pour acquérir des clients, offrir ce service-là, mais après les automatiser complètement afin de gagner plus d'argent en moins de temps. C'est toujours l'objectif ici. Et la cinquième activité que tu peux offrir sur Fiverr pour générer des revenus jusqu'à 215 euros par jour de chez toi va consister à supprimer le fond de l'image les fonds des images, en fait. Donc, ici, on a beaucoup de personnes encore qui ne savent pas forcément comment supprimer le fond de leurs images. Beaucoup de personnes qui ont un business, qui n'ont pas forcément le temps de comment acheter des applications pour le faire. Ici, je me rappelle quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques années de ça, je n'avais aucune idée de comment le faire et je devais utiliser des services payants pour le faire. Et après, je me rends compte qu'il y a un site incroyable qui te permet d'enlever le background de tes photos gratuitement. C'est vraiment magique une fois que tu commences à le faire et c'est très beau. Et donc ici, tu as justement quand tu as les gens qui facturent 100 euros, voilà, 40 euros pour le faire, parce que c'est assez facile à faire. Ça te prend littéralement quelques secondes à peine pour le faire. Et pour cela, tu vas aller sur le site web qui s'appelle remove.bg. C'est un site qui va te permettre d'enlever le background de n'importe quelle image gratuitement. Et c'est vraiment, ça marche très bien. Par exemple, cette image, j'ai essayé d'enlever le background de l'image en question et ça m'a vraiment, si on voit l'original et la photo, on se rend vraiment compte que ça fait du travail, tu vois. Donc voilà un peu les cinq Merci d'avoir sites. regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ton attention m'honore. Si tu as des questions, laisse-les-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre dans une vidéo prochaine ou en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, sois sûr de t'abonner également pour ne pas manquer le prochain épisode sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine. Donc sois sûr de t'abonner, clique sur le gros bouton rouge pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo sera sur la chaîne. Si tu as également eu de la valeur, sache de partager la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne sait pas exactement comment commencer. Sache de partager la vidéo avec cette personne-là. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente vie, une excellente journée, une excellente semaine. Prends soin de toi. Bye bye.